Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour. Bonjour, mon Père. Nous voici rassemblés pour célébrer le Seigneur, celui qui nous aime d'un amour fou, d'un amour éternel, d'un amour irrévocable. Celui qui nous invite à accueillir son amour et à nous laisser transformer par son amour pour que nous devenions partout où nous sommes témoins de l'amour. Aujourd'hui, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Cyrille, moine et Méthode, évêque. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur la grâce de vivre en communion, en intimité avec lui, pour que rien ne nous sépare de lui, pour que rien ne nous sépare de son amour. Reconnaissons que nous avons péché et demandons au Seigneur de nous prendre en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux frères Saint Cyrille et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans un témoignage authentique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 6, les versets 5 et suivants. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur regretta d'avoir fait l'homme et de l'avoir mis sur la terre. Il s'en affligea et il dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et avec les hommes, les bestiaux,
les bestioles et les oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car tu es le seul juste que je vois dans cette génération. De tous les animaux purs, tu prendras sept couples de chaque espèce. Des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un couple de chaque espèce. Et les oiseaux du ciel, sept couples de chaque espèce, pour en perpétuer la race sur toute la terre. Car il ne reste plus que sept jours. Et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, pour effacer de la surface du sol les êtres que j'ai faits. Noé fit ce que le Seigneur lui avait commandé. Sept jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble dans le psaume 28. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Roi du Seigneur dans sa force, roi du Seigneur qui éblouit. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre et tout dans son temple s'écrie gloire. Au déluge, le Seigneur assiégé, il siège le Seigneur des rois pour toujours. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. Levez-vous pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert, il l'a rassasié du pain du ciel, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc, chapitre 8, verset 14 au verset 21. Les disciples avaient oublié de prendre du pain. Et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils discutèrent entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en aperçoit et leur dit, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur aveuglé, vous avez des yeux et vous ne regardez pas,
Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas. Vous ne vous rappelez pas. Quand j'ai rompu les cinq pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé le panier plein de morceaux? Ils lui répondirent 12. Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile Jodia, nous joignent deux grands points. Premier point, c'est une mise en garde. Jésus qui mettait disciples en garde contre le levain des pharisiens, qui baillait au conseil, qui baillait aux recommandations. Deuxième point, c'est reproche Jésus adressé à disciples. On nous garde le premier point qui c'est une mise en garde. Jésus dit, partisan lio, attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Levain pharisien, levain hérodien, qui ça y est? C'est mauvaise pensée, yo. C'est mauvais sentiment, yo. C'est hypocrisie, yo. C'est tout ça qui mal que yo a cherché propager, y a cherché répandre autour de yo même. Ces mauvaises doctrines. Jésus bail disciples yo recommandation ça conseil ça pour que yo pas prend dans piège parisien yo et pour que yo capable déraciner dans cœur yo dans la vie, yo, tout mauvais sentiment, toute mauvaise pensée. Pour que yo pas quitter mal là, prend racine dans la vie, yo, parce que mal là, péché a, il gagne de graves conséquences. J'en ouvre ça. Dans première lecture avec le déluge. Jésus, à travers recommandation ça, il m'a dit disciples pour yo vivre dans la vérité, pour yo vivre dans la sincérité. Sincérité avec mon Dieu, vérité avec mon Dieu, et pour yo sincère tout dans relation yo yon avec l'autre. Cette recommandation nous est adressée ce matin.
retirer dans cœur nous tout ça qui pas fait bon Dieu plaisir. Tout mauvais sentiment, tout orgueil, toute hypocrisie, tout ça qui est capable de détourner nous de bon Dieu, de chemin bon Dieu, de remède bon Dieu. Deuxième grand point que nous joignons dans l'évangile là, c'est reproche Jésus fait partisan lui, disciple lui. Pendant Jésus a bail disciple lui, recommandation ça, pendant Jésus a parlé à disciple lui même, il a pensé à l'autre bagaille. En pile fois ça arrive nous, hein? Parole bon Dieu a proclamé, parole bon Dieu a prêché, nous-mêmes, l'esprit nous ailleurs, l'esprit nous a vagabondé, n'a pensé à l'autre bagaille. Jésus reprochait partisan lio, aveuglement spirituel lio, incompréhension lio. Jésus reprochait partisan lio parce que yo tap discuté entre yo. Pour ça, yo pas gagné. Pour manque de pain yo. Pour nourriture, yo pas poté avec yo. Jésus dit yo, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur aveuglé, vous avez des yeux et vous ne regardez pas, vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas. Disciple Jésus, il oubliait deux bagailles qui sont importantes, qui sont essentielles. Premier bagaille, il oubliait. Merveille Jésus, t'es accompli en présence. Il oublie grâce, il recevoir dans mes bon Dieu, dans mes Jésus. Il oublie miracle en Jésus. Et deuxième bagaille, le disciple il oublie. Il oublie s'y mettre là. Si c'est là qui c'est paix véritable là, si c'est là qui c'est vrai paix de vie, si c'est là qui c'est vrai nourriture, s'il n'a mis tant yo, il oublie présence Jésus n'a mis tant yo. C'est peut-être ça, il a discuté parce que il a pas gagné pain, il a pas gagné manger pour y manger. C'est là qui c'est vrai pain, hein? Pain de vie, hein? Pain véritable. Hein? Il est avec yo, il est dans mi temps yo, et il oublie ça. Donc, aux disciples, yo, frère Maxime, yo, nous qu'on oublie, ça bon Dieu fait pour nous. Donc, aux disciples, yo, nous qu'on oublie grâce, faveur, bénédiction, nous recevoir, non mais bon Dieu. Tant que disciples, nous comptons plaigner en pile pour ça, nous pas gagner. Oh, moi pas gagner ci, moi pas gagner ça. Mais n'oubliez, ça nous gagne. Nous pas prendre temps pour nous apprécier, pour nous admirer, ça nous gagne. Et pour nous dire, bon Dieu, merci pour ça, Libanon, pour grâce, Libanon. Et je dis aujourd'hui, femme Semio, pas inquiétez-nous pour ça, nous pas gagné. Pas baille-tête-nous, problème pour ça, nous pas gagné. Pas quitter, manque nous yo,
besoin nous yo. Détournez-nous de bon Dieu, détournez-nous de ça qui est essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. Et si nous gagnons bon Dieu, nous gagnons toute bagaille, toute l'autre bagaille à venir après. C'est peut-être ça, Jésus, il ne pas jamais suspendre, mandez-nous pour nous chercher le royaume-là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste viendra par surcroît. Pas inquiétez-nous pour ça, nous pas gagnons. Deuxième bagaille. Jésus a dit non. Prême, accepte-moi. Pour nous pas ingrats. Pour nous pas gagner mémoire courte. Et monde qui gagne mémoire courte, oui. Et monde qui oublie facile, oui. Puis gars nous ingrats envers bon Dieu. Nous recevons en pile dans mes bon Dieu. Nous recevons en pile grâce, en pile bénédiction dans mes bon Dieu. Songez ça bon Dieu fait pour nous. Souviens-toi des bienfaits de Dieu, des merveilles de Dieu. Souviens-toi des grâces que tu as reçues de ton Dieu, de ton Seigneur. Troisième bagaille, Jésus voulait dire non. Pour ne pas oublier que bon Dieu nous a, il est là avec nous. Bon Dieu n'a mis tant nous. Bon Dieu, bon côté nous, bon Dieu présent dans la vie nous. Si bon Dieu est avec nous, quel que soit le problème, il est capable de résoudre. Si bon Dieu est avec nous, quel que soit le manque nous gagnons, quel que soit le besoin que nous gagnons, bon Dieu est capable de combler le manque nous. Bon Dieu est capable de combler le vide nous. Bon Dieu est capable de satisfaire le besoin nous. Nous ne devons pas inquiéter nous. Nous ne devons pas faire tête nos problèmes, nous ne devons pas faire tête nos soucis, mais nous devons faire bon Dieu nous en confiance, abandonner-nous dans le bras bon Dieu, lui-même qui déjà réalisé en pile merveille dans la vie nous, et lui-même qui n'a rien incommensurable, il est pour nous à continuer à réaliser merveille dans la vie nous. C'est pour bon Dieu garder nous dans remel, c'est pour garder nous dans amitié, c'est pour combler nous avec grâce, c'est pour aider nous vivre en tout temps, en toutes circonstances, dans l'action de grâce. Amen. Voici ce pain, Seigneur. Voici ce vin, Seigneur. Nous te les présentons. Ils deviendront les fruits de la vie. C'est le pain de ton amour. Accepte-le, Seigneur.
levée de tes enfants. C'est levée de liberté. C'est le signe de ton sang. Accepte-le. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur, Dieu de majesté, en mémoire des saints Cyril et Méthode. Fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de l'amour par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. C'est vous qui serez, maître, c'est vous qui serez. Vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qu'on a recommandés à nos prières, ceux dont on a cité les noms au début de la célébration. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur tes enfants qui ont recommandé cette messe.
sur nos parents et amis, sur les bienfaiteurs et les bienfaitrices, sur nos collaborateurs et collaboratrices. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire. Ania, chérie, Brian, Valence, Aimable, Carmel, Casimir, Garçon, Champagne, Lisa, Huguette, Alain, ingénieur Bertoni Saint-Illus, Jean-Charles Osner, Jomar, Jean-Jacques Joseph, Joseph Manouchka, Josia Payer, Kéroïn Larry Félix, Louis Anglade Joseph Junior, Lynn Tarani Saïka Sena, Marie-Carmel Montes, Martine Fortin, Mikaïlane Bartley, Millie William, Nazaire Auguste, Neftali Paul, Richard Natacha, Ritrude Pierre, Rocheline Amadis, Taïna Norel Paul, Valentine Rachel Laporte, Florane Borde. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les autres personnes qui célèbrent leur anniversaire. Nous implorons ta grâce sur les malades, sur les chrétiens persécutés, sur tes enfants en difficulté, sur les personnes séquestrées. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur tous ceux, toutes celles qui prient avec nous, qui participent à cette célébration à travers la radio, la télévision et sur chacun de nous ici présents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce et Dieu perpétuel secours, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Cyril et Saint Méthode et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ, où mes moutons, bon Dieu.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
Toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et à un seul esprit. Et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête des saints Cyrille et Méthode, accorde en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, bon Dieu. Nous pas jamais suspendre, dit bon Dieu. Merci. Merci. Les mêmes qui réalisent merveilles dans la vie, nous, qui continuent à réaliser merveilles dans la vie, nous. Les mêmes qui remènent nous d'un amour fou, d'un amour éternel. Notre premier Valentin, il ne faut pas l'oublier, non? Notre premier Valentin, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu, c'est lui qui nous aime de tout son cœur. Pas un monde qui remet nous tant que Jésus et passé Jésus. Premier Valentin, non. Puis grand Valentin, non, c'est Jésus. Et non, prions-nous avec Jésus. Pas jamais. Si ce bon dit Jésus, nous remèle. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Est-ce que nous connaissons Jésus, remèle-nous en pile? Fais Jésus confiance, attendez. Rétez dans remain Jésus. Pendant que nous avons dit bonne fête à nous toutes, à nous chaque, à toute Valentin, Valentine, et nous avons demandé Jésus, le vrai Valentin, lui-même qui remain nous, pour lui combler nous à Kremel, pour que nous toujours croyons que Jésus est avec nous, et puisque Jésus est là, nous pas manquer en rien. Comme dit le psalmiste, le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon amour, rien ne saurait me manquer. Pendant que nous avons dit nos bonnes fêtes, nous avons souhaité joyeux anniversaire, et les gens qui ont célébré l'anniversaire sont capables d'avancer devant l'hôtel pour recevoir salutations et bénédictions. Nous avons souhaité joyeux anniversaire à Ania Chérie, Brian, Valen, Semab, Carmel, Kazimi, un garçon qui est membre du groupe Les Amis de Marie, Champagne, Lisa, Huguette, Allen, membre du groupe Chrétien Prière, ingénieur Bertoni Saint-Illus, Jean-Charles Osner, Jomar Jean-Jacques Joseph, Joseph Manouchka, joyeux anniversaire à Josia Payer, à Kéwin Larry Félix, qui est membre du groupe Union Familiale, à Louis Anglade, Joseph Junior, Aline Tarani Saïka Sena, joyeux anniversaire à Marie-Carmel Montes, à Martine Fortin, à Mick Kailan Batley, à Milly William, Nazaire Auguste, à Neftali Paul, membre groupe Union Familiale, à Richard Natacha, Ritrude Pierre, membre groupe Les Missionnaires de la Vierge Altagrasse,
et qui c'est tout yon compositrice, yon chante dans l'église là. Joyeux anniversaire à Taïna Noël Paul, à Valentine Rachel Laporte, à Florane Borde et à tout autre monde qui a célébré anniversaire yo. Grâce à bénédiction bon Dieu sur nous toutes et sur nous chaque en abondance. Joyeux anniversaire. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Frère Maxime yo nan cadeau nan recevoir yo nan chocolat nan recevoir yo pour nous partager ak pè yo an nou saluer maman nous la Vierge Marie li même qui avec nous qui pa jam suspend pote nou secours et la prière pour nous qui pa jam suspend aider nous vivre nan remen bon Dieu. Pour rien pas séparer nous de remer ça, pour rien pas éloigner nous de remer bon Dieu, mais pour nous rester toujours en communion avec bon Dieu, dans l'amour de Dieu, et pour nous tourner témoin remer bon Dieu côté nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Alta Grâce. Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église là. Notre-Dame du Perpétuel, secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer. Saint-Michel Archange, combat, nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Saint Cyril et Méthode, priez pour nous. Tous les anges et tous les saints du ciel, intercédez pour nous. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant, Seigneur mon Dieu, et tu es grand.
Deuxième messe tout à l'heure et troisième messe à célébrer à midi. Chaque jour, du lundi au samedi, nous gagnons messe à 6h, à 7h et à midi. Bonne journée, bon travail, bonne mission et bonne fête. Merci, mon Père. Pardon. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.